Maman Ngo Baba Madeleine. Ngo Baba Madeleine. Elle dit, je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans ma vie. En effet, depuis le mois de mai 2023, je souffrais de douleurs dans tout mon corps. À chaque fois que les douleurs devenaient intenses, j'avais des crampes et mes pieds se paralysaient. Je ne marchais plus normalement et je ne pouvais plus faire de longues distances à pied. Je me suis rendu à l'hôpital. Après avoir effectué les examens, les médecins ont déclaré que je souffrais d'une nerf sciatique. Ils m'ont prescrit plusieurs traitements et injections, mais rien ne me soulageait. Au contraire, les douleurs persistaient. J'ai pris plusieurs programmes de jeûne et de prière personnels et plusieurs proches me conseillaient d'aller rencontrer un homme de Dieu afin qu'il prie pour moi. C'est alors que le matin du 23 juin 2023, j'ai allumé mon écran de télévision et je suis tombé sur la chaîne Revival Channel. Acclame la meilleure chaîne du monde. Elle dit, je n'avais jamais entendu parler de cette église, mais je me suis installé pour suivre la rediffusion du culte qui passait. Tout d'un coup, j'ai écouté l'homme de Dieu dire, toi qui me regardes depuis ton salon, le feu du Saint-Esprit parcourt tout ton être et te libère au nom de Jésus-Christ. À l'instant, j'ai senti la puissance du Seigneur me remplir et j'ai commencé à trembler et crier fort dans toute la maison. Je suis resté dans cet état sous onction pendant 30 minutes et je me suis relevé. J'ai alors découvert que toutes les douleurs m'avaient quitté. J'ai recommencé à marcher normalement, à faire tous les mouvements que je ne faisais pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis libre. J'ai pris toutes les informations sur cette église au bas de l'écran. Et j'ai voyagé pour la première fois de Deya pour venir donner gloire à Jésus-Christ. Si tu dis Amen, là où tu nous visionnes, tu prends un miracle. Donc, vous visionniez une rediffusion. C'était pas toi, tu es en direct. Et tu ne prends pas. Reçois un miracle. Toi, tu es dans la salle. Le premier qui dit Amen, tu as un miracle. Vous venez de Deya. Amen. C'est que Deya, c'est une jolie ville. Très jolie. Amen. Il y a la plage. Amen. Tu es béni. Mais il y a aussi la chaleur. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je suis venu rendre gloire à Dieu à cause de la délivrance qu'il a opérée sur moi le 23 juin à Edea. J'ai souffert un mal atroce depuis le mois de mai. Je sentais mal aux pieds. Je ne parvenais même pas à marcher. Je sentais vraiment mal, un mal atroce. Et je soupirais dans mon cœur, je disais que comment je vais faire. J'ai eu à prier, j'étais à l'hôpital, il n'y avait pas un changement. Un matin, j'ai décidé, je disais intérieurement qu'il me faut chercher un homme de Dieu. Mais je vais aller chez qui? Je m'interrogeais comme ça et les pieds me faisaient mal. Je suis quittée de mon lit, venu m'asseoir au salon. Après, j'ai allumé mon téléviseur. Je tombe à l'immédiat sur la chaîne de Revival TV. Et l'homme de Dieu, c'était ma première fois de le voir. Je n'avais même jamais entendu ce ministère. C'était la diffusion, ce n'était pas en direct. Dès qu'il a commencé la délivrance, il dit, toi qui assis là sur ton salon, toi qui me regardes, reçois le feu, que ce feu la consume, tout ce que tu sens mal sur ton corps, les pieds, les mains, la tête. J'ai dit, je reçois. J'ai commencé à trembler, à crier. J'ai commencé à prophétiser en même temps. Et la prophétie disait que voilà le temps est arrivé, le temps est arrivé, le temps est arrivé, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. J'ai crié, j'ai fait plus de 30 minutes. À un instant, les douleurs aussi se calmaient doucement, doucement, doucement. Après, l'esprit me réveille que va à Yaoundé. Moi, je ne savais même où se trouvait l'homme de Dieu. Je regarde, je vais à Yaoundé où? Après, je regarde très bien la télé. J'ai vu que c'est à Yaoundé, au quartier Mendon, derrière la gendarmerie. C'est comme ça que j'ai pris mon taxi, je me renseignais, je suis arrivée ici.
Donc je rends gloire à Dieu de cette délivrance. Et encore dans l'occulte, vraiment on dirait qu'on connaissait mon problème. Le thème était toujours pour la délivrance, la guérison. Donc j'ai béni l'Éternel. Je lui dis merci de tous ses merveilles, de tous ses bienfaits. J'ai béni aussi l'homme de Dieu qui nous a donné comme parodique. J'ai dit merci à Dieu. Amen.